Salut tout le monde, salut salut. Aujourd'hui, on se fait un petit live sur Manor Lord. J'ai bataillé un peu à choper une carte avec le lac à poissons. Nouvelle fonctionnalité du jeu. Ouais. Alors où c'est qu'ils sont mes pélos? Ils sont là. Alors mon camp il est là, le bassin à poissons il est là-bas. Ouais. Voyons voir, est-ce que je peux déplacer tout ce merdier? Non. Lui, je peux le déménager. Oui, je peux revendiquer une nouvelle missive. Domination. Construisez votre ville et votre manoir, puis revendiquez les régions appartenant à vos adversaires. Une fois leur ennemi, préparez-vous au combat. Okay. Je rassemblerai tout le monde sous ma bannière. Oui. Bon. Ah, nos gentils petits pélos. Alors. Est-ce que toi, je te déplacerai pas plutôt? Parce que du coup, alors, ça, gisement de fer, ok, de la pierre, la boue, l'argile et le poisson. Est-ce que je me décalerais pas plus par là-bas? Ça peut être un bon move, ça. Bon, je vais laisser ça comme ça, on verra plus tard. Alors, voyons voir la route. Ça comme ça. C'est vrai que ça fait quand même un peu loin, quoi. Ça va se développer un peu par là, tiens. Bon, allez, reconstruction, construction, construction. J'ai deux de bois. Le camp de bûcheron. Bon, là, il faut pas trop y taper. On va plutôt taper sur cette forêt là. Commencer par là, tiens. Commencer par là et en descendant. Ça peut être une bonne idée, ça. Alors. Ça. Carrière. Nappe phréatique. Ouais, c'est ça. Pas mal de flotte là dans le secteur. Fertilité pour le houe là. Le blé, c'est pas folichon le blé là. Le lin non plus, l'orge. On va improviser pour ça alors. Alors je vais faire le grenier. Par là. Et l'entrepôt. On va le faire en face. Allez mes ouailles.
Alors, les familles ont besoin de nourriture, comme combustible, ainsi qu'un toit. Oui, des provisions, blablabla, oui, j'ai compris. Faire du bouet. Oui, le bois est transporté par les bœufs, oui, je le sais, je le sais. Nouvelle missive. Répondre. Tiens! Dans ta gueule. Deux familles à affecter. Ici. If I have to spend another winter in Albert's barn, I'd like to freeze me balls off, even with his wife. Déforeste-moi tout ça ici. Allure, allure, allure. Oui, merci. Alors, est-ce qu'on ferait pas un truc comme ça? Merci pour la sauvegarde. Pour faire 3 baraques, il me faut 6 de bois. J'ai 2 mois de nourriture. On va attendre un peu avant de les...
stocker la bouffe ici. Et bon, il stockera les... Alors, on a les animaux sauvages, il va falloir que j'y aille. La pêche. La pêche, ça fait encore un peu loin, peut-être. Une famille qui est affectée à rien du tout. Mais tu vas me construire des maisons. Ah, le puits. On va le mettre. On va mettre là le puits. J'ai passé 2 mois, bah dis donc. Alors, agriculture, non. Récolte. Est-ce que j'ai des baies ici, dis donc? J'ai pas de baies là-dedans. Bon, il faut que je sois 50 chasseurs. Oui, merci, je sais faire des routes. De rondin, le poteau avec le bœuf, on va le déplacer, on va le mettre là. Ok. On est parti pour une petite heure de live. Il me demande un petit marché. On va faire un truc comme ça. Comme ça. Ah, là, va vite. Ouais, merci. Les outils de la pierre et le bois. Bon, ça déjà c'est safe, la bouffe. Alors mon pélo, oui, d'accord, moi aussi.
Allez-y, pélo, creusez. Oh, je suis pauvre. Fourneau, forge, fort d'huile. Ah, camp de chasseur. Terminado. Avancer. Zone de travail. Allez, va nous chercher de la bouffe. Mes wives, ils ont faim. Four au bétail, comptoir commercial, ça il faudra le faire assez rapidement. Camp de colons. Ah. Décoratif. Des broussailles à ouf. Voilà. Déjà. Quoique non. On va pas faire ça comme ça. Je vais les mettre. Comme ça. Voilà. Bon allez, plus qu'à les laisser bosser les types là. Tu vas me dire que lui se tape tout le détour là? Attends mon con, ça... on va t'aider. Voilà. Perfecto. Bienvenue. Bienvenue à toi sur le live. J'ai un potager à lui. Un petit potager. Bien exposé. C'est quoi qui reste?
une autre famille. Ok, toi. Ah, on te faire un poulailler à toi. Les compagnies des mercenaires sont disponibles. Oui. Étal de bûche. Étal de bouffe. Un peu, ça serait bien qu'il me récupère le reste en zone. Accès à l'eau au niveau de la foi, d'accord. Construction de la Saint-Cive Terminado, pas assez de richesses régionales. Alors, la bouffe. 3 mois. Impeccable. L'eau du bois, il y a comment ? 16 bois. Ok. Où c'est qu'on pourrait faire notre petite église ? Par là, peut-être ? Deuxième travailleur de venir bâtir. Ah, la construction des bâtiments est juste magnifique dans ce jeu. Terminé. Voilà, parfait. Ça c'est 15.
Magnifique! Alors, plus besoin de dispenser des sensibles libres, ça doit être supérieur à 50%. Écart. Du coup, toi, retourne couper du bois. Comme Charlie Ingalls. Nouvelle missive. Pour survivre, la colonie a besoin d'une milice puissante. Heureusement, des armes viennent d'être livrées. Vous êtes maintenant en mesure de lever votre première bannière de miliciens. Le rôle est de vous servir de protéger votre peuple. Cependant, à mesure que vos cités grandiront, il vous faudra davantage d'armes et vous devrez les fabriquer ou en importer. Formons une milice. Des lanciers. J'ai quoi comme arme? Des lanciers. J'ai 10 paysans, des lanciers, des grands boucliers. Oula. Alors, bon, du coup, ma popularité est 46%. Je crois qu'on va être obligé de construire encore des maisons. Si je fais un truc comme ça, c'est pas dégueulasse. Allez, roule ma poule. Ça part. Ça me coûte 2 de bois si... Allez, hein. Pourquoi pas faire de même avec celle-là. Je peux aller jusqu'à 36 gars. Okay. Accélérer un peu pour finir de construire celle-là. Voilà, parfait. Et je suis commandant de bois, 10 de bois. Euh,
taverne, pas un bien. Ça, pas un cuir. Récolte. Touk touk touk. Peut-être que je vais mettre ça, ça serait pas mal. Quand ça va commencer à cailler, s'ils ont pas de bubuche pour mettre dans leur cheminée, ça va gueuler. Ça risque de gueuler un peu, quoi. Okay. Ça fait quand même loin pour faire la cabane de pêche, hein, peut-être, non? Descendre un peu plus par là. Eh ouais. Eh oui, eh oui. On va quand même la construire. Hein. Oui, mais les mercenaires, j'ai pas encore de quoi les payer, les pauvres. Pas les faire combattre pour rien, quoi. Station de chargement. Alterner un peu entre le bûcheron et la coupe des bûches. C'est qui vont ces pélos là? Bon, je vous fais plus de route, hein. Pas de problème. Je vais mettre mon chasseur à la pêche, je pense. Saisonnier 352. Voilà. Accélère un peu.
Niveau bois, je suis comment? 12 bois. Ouais. Et bubuche. Ah. Là. Tiens. Il faut un gars qui pêche. Il me faut un gars qui pêche. Poisson par étang. Ouais, pêche-moi des poissons. Yep, les pêcheurs. Par contre, je veux pas dire, mec, mais t'as jeté ton... dans la terre, là. Voilà, comme ça, là, ça va laisser un peu le temps aux animaux de se refaire. Les bébuches. Alors toi tu vas arrêter de faire des bébuches et tu vas retourner faire du bouet. Toi, est-ce que tu veux pas venir me péter cette zone de bois là? Hein? Ça serait bien. Ça serait bien. Meat so tender, it practically melts in your... C'est pas mal. Toué. Ça pêche. Pêche. C'est quoi déjà la touche? Tac, l'humidité, on s'en fout. Je veux la touche pour passer en... C'était RLC, mais c'est bon savoir. Je pourrais mettre un cycle jour-nuit, j'avais pas vu cette option, tiens. Mais en soi, moi je veux avoir la... pour marcher avec mon bonhomme. Là. Je commence à faire des carrières aussi.
Ça, ça a temps perdu, les gars. Ce que je voudrais bien, c'est avoir une famille en plus dans ce bourbier là. Niveau de foi. Ah oui, c'est vrai, ils veulent une église, une église, une église. Commerce, non. Il faut que je fasse la Syrie. Il faut que je fasse la Syrie d'abord. Le coup de la Syrie. Je n'ai pas assez de ressources. Voilà. Voilà. Je fasse quelques planchettes afin de pouvoir lancer l'église. Ils vont pouvoir aller prier, ils seront contents. Je peux faire pousser du blé, je l'avais pas vu sous les arbres, c'est idiot. Bon là c'est la zone de chasse, on va pas y toucher. Ici on s'en fout, et par là-bas on va en faire pousser un peu ici aussi. Ok, ok, ok. Un peu là-haut, pas terrible mais bon c'est déjà ça. L'orge, 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 l'orge. Pas une terre orange en tout cas. Je peux en faire pousser un peu ici. Bon, j'ai pas hérité de la terre la plus fertile, hein, putain. Ah si, pour le seigle, tiens. Le seigle, c'est plutôt... Ouais, par là. Par là aussi. Ouais, par ici. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, en tout cas, le blé, c'est là. Tout droit. Me faire péter cette forêt là, toi. Là, y a personne. Ici, y a personne non plus. Quoi, pas madame, vous allez tomber, vous allez vous blesser. Ah, mais c'est ça le mode touriste. Voilà, c'est ça que je cherchais. Hey, hey!
Salut mon brave. Vous blessez pas, madame, hein? C'est vrai que ça va vous tomber sur la gueule, cette histoire. Bestiole, ça remonte. Et les poiscailles, ça descend. Oh. Un bâtiment de production de l'atelier d'un artisan pouvait définir une réserve ou une limite de production. Le travail ne travaillant pas sur le bâtiment tant plus de cette ressource plus la région. Ok.
Alors, toujours dérangé en plein live. Bon, ils sont plutôt contents les ouailles là. Oui, magnifique. Ch'tac, ch'tac. J'ai un point là-dedans. Dans le prochain niveau de colonie, vous utiliserez le point de développement. Utilisez-le pour débloquer les branches de développement. Mais améliorer l'efficacité de cette région. Gna 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 gna. Construisez des bâtiments et détruisez que le manoir. Ok, ma biche. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Culture d'arbres fruitiers, élevage de moutons, labour profond, fournisseur étranger. Logistique commerciale. Charbonnerie, ok. Piégeage. Par défaut, chaque agent peut disposer de deux ruches. Le placement des ruches supplémentaires n'augmente pas le rendement. Ok. Permet de pêcher toute l'année. Ça peut être pas mal, ça. Voilà. Forge, j'y suis pas encore. Charbonnerie permet de transformer une unité de bûche en deux unités de charbon, ce qui en réapprovisionne le combustible. Oui. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Je suis tenté de faire. Permet aux chasseurs de disposer des pièges dans la forêt pour attendre d'avoir une production passive. Ah, plus chaud pour le poisson toute l'année, moi. Hein, qui octroie des bûches de façon passive tant que la région dispose suffisamment de richesses. La région ne paye pas les frais de transport, doit passer sur le marché. Un étal de marchand permanent qui octroie plein de façon passive. Ouais, mais ça, c'est. Il faut avoir de l'oseille, ça. Réduit les coûts de l'ouverture d'une nouvelle route commerciale. Chaque année autour de septembre. 3 ans. Ah oui, c'est pas terrible. Qu'est-ce que je peux faire avec le miel? Est-ce que vous le savez, vous? Double capacité. Je vais partir dans la ça. Voilà. Avec la pêche hivernale, comme ça cet hiver, je pourrais pêcher des poissons quand même. Mais extraction, stockage, agriculture résidentielle. Ça c'est quoi? Marché, taverne. Ah, j'ai dit qu'il fallait que je fasse des planches, mais j'ai 4 de bois stocké, j'en ai 10 en tout.
faire des planches. Combien il m'en faut pour faire l'église? 20. Voilà. Fais-moi 20 planches, après tu retourneras péter du bois. Lui, il transporte du poisson. Du poisson. Et là, ça me déblaye la zone. Est-ce que je déblaye la bonne zone? Fourneau, commerce, et l'échange de richesses régionales. Et ça serait pas mal de le faire quand même, hein, je pense. Je pense que ce serait pas mal. Le Taz, avec le miel, ça peut servir comme lubrifiant. Oh, il est con, lui. Ah bah j'espère que tu t'en sers pas comme lubrifiant, mon poulet, parce que ça doit coller l'histoire. Hein. Comment il va le type? La forme? Ça aura meilleur goût. Ah oui, certes, mais ça doit bien coller. Ça va, moi ça va, je sors d'une infection dentaire là. J'étais allé à la maison toute la semaine. J'ai passé 3 jours avec une bouillotte collée à la gueule, c'était sympathique. Urtful, mais ça supprimé, désormais banni de cette chaîne? Bah. Pourquoi? Message, pourquoi il s'est fait bannir lui? Ah ouais, d'accord. Ah oh, bah vas-y, bah casse-toi alors, hein, si pour poster des conneries. Bon, mon petit Taz, t'as vu mon petit village? Magnifique, hein. Ici là j'ai un camp de. Il est ouf là, j'ai un camp de chasse. Mais eux ils sont partis. Ils sont partis pêcher les poissons, t'as vu, parce que. Parce qu'il faut pas que je défonce trop de bestioles, sinon après j'ai plus de bouffe. J'ai reçu une famille, une nouvelle famille. Ah, mais ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Tiens. Bon, je vois Charlie Ingas, va couper du bois. 5 planches. 5 planches, d'accord. Oh, on me demande dans tous les sens. On me demande d'aller faire du Railroad Online. Je lui demandais de part d'où. Que la musique du jeu est un chouïa trop forte.
Sauvegarde terminée. Merci, mon sucre. Bon, je dois attendre que les planches se fassent. Stock général. Il faudrait que je refasse des. Il faudrait que je refasse un peu de bubuches. Des bubuches. Les bubuches. Bon. Ouais, faut vraiment que j'attende les. Est-ce que je ferai pas ça d'abord? Allez, si, tiens, allez hop. Faites-moi ça là, vite fait. Je puisse faire un peu d'oseille en vendant 2-3 conneries. Hein. Don't be shy, good sirs and ladies. Step right up and sample. Yes, sir. Je peux pas le. Il fait des allers-retours pour son poisson là. Ressources volées par des bandits. Oh là là, enfin j'ai tapé sur la gueule à des bandits. Ils sont où ceux-là là? Ah, ils sont là. Dis donc là. C'est pas très gentil ça. Foiré. Engager des mercenaires, combien ça coûte? Petit trou de marginaux, de fauteur de troubles. Ça coûte 15. Mais j'ai pas d'oseille. Je peux pas vraiment envoyer mes paysans leur taper sur la gueule. Après, s'ils meurent, j'aurai plus de bonhomme sous la main. Ce serait con. Il est toujours là, mon petit Taz ? Oui, c'est barré. Attends, bon, un coup, ça se construit. Alors. Ah, il est là, oui. Culture, j'en ai pas. Nourriture. Ouais, nourriture. Je reprends lundi. Lundi, ouais, j'ai fait péter la semaine. Il y a que depuis hier soir que ça va mieux. Là. Marchandises, outils, manteaux, chaussures, de la bière, hein. Oui, de la bière. Alors, j'ai mes 20 planches. Toi, je t'enlève. Je te mets là.
j'ai 5 mois de bouffe, 5 mois de combustible, ça c'est bon. Ah, lundi, ils étaient malheureux cette semaine. Ah, j'aurais pu faire commerce de miel. Quelle erreur. Établir une route commerciale. Qu'est-ce qu'il veut lui? Déconnecter les routes commerciales majeures. Une route royale. C'est ça la route royale? Déconnecter à une route. Tu te sens mieux là? Il est un peu con celui-là. Tiens, je vais t'entourer. Comme ça. Voilà. Une belle route autour. Et ouais, ils étaient malheureux. Quand je suis pas là pour charger, ils sont malheureux les types. Les copains. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans? Non, il n'y a personne. Ici, il n'y a personne. Et là, il n'y a personne. Non, c'est que la famille est partie s'installer. Non. Ici. Non. Je peux pas faire ça, moi. Quand on me dit la saison de récolte a commencé, oui, mais j'ai pas encore planté. Je peux pas récolter si j'ai pas planté. Ils sont encore en train de débroussailler ici, ces oeufs là. Les poissons. Poissons. Ça remonte. Ah, ça me fait plaisir. Une nouvelle famille s'est installée. Qu'est-ce qu'on va leur faire faire à ces andouilles là? Ici, il y a une famille. Ici, il y a une famille. Est-ce qu'on lui dirait pas d'aller faire de la pierre? On va faire de la pierre. Verre de la bière. Non, t'as pas besoin d'une route, toi, ici. Bon, c'est ça que je devrais faire. Ah ouais, toi t'es arrivé en cours de route, mon petit tas, t'as pas vu que je peux me promener avec mon seigneur. Vas-y mon petit poulet, fais lui péter la bibuche. Bûche. Il est très fort le monsieur quand même, hein. Il a fendu en un seul coup, dis donc. Qu'est-ce qu'elle a? Une pelle. On prend un coup de pelle dans la gueule. Bang. Et aussi, il a une pelle, il va aller creuser la mine à ciel ouvert.
des cailloux. Là, la poulette. Il faut que je les améliore, mais j'ai pas encore de, thunes. Manque de la thune, la tutune. Bon, j'ai 6 familles affectées, j'en ai une à la construction. Ils me construisent ça. Oh, non. Putain, ils sont plus efficaces qu'une pelleteuse, dis donc. Alors, combien on a de bûches? 50 bûches. On va leur dire d'arrêter. Et on va leur dire de... faire des planches. Donc il faudrait peut-être plutôt une deuxième famille à la... Allez faire les bûcherons là, allez me péter la forêt quoi. Mes poiscailles. 290. D'accord, j'ai mis une réserve à 200. Bon, ça avance. Salut à vous qui regardez le stream. Bienvenue. Pour faire des chèvres. Ici. Bon, il va falloir que je... Voilà. Faut que je fasse des vêtements. Et j'ai 11 de place de libre. 11 de place. Ouais. J'aurai un peu de 79 de pierre. Allez hop, ça part à la Syrie les filles. Parce qu'il me demande quoi, les gars?
C'est ici. 20 planches et 10 pierres. 5 rondins. Est-ce que je ferai mon église par ici là? Par là peut-être. Trois planches, hop là, allez. Ah ouais, c'est gros quand même cette histoire là. Hein? Comme ça? Ouais, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Une production passive de peau, mais ça c'est bien ça. Comme ça, avec la peau, je vais peut-être pouvoir faire des fringues. Industrie, atelier de tissage, non, tannerie. Avec des peaux, on peut produire du cuir. Tenue de teinture, on s'en fout dans les médias. Il n'y a pas une. Charrue à bûche. Je vais stopper les petits poissons. Et je vais remettre les chasseurs en branle. Et. Du coup, on va faire ça. Où c'est qu'on va pouvoir mettre poser ça? Là. Voilà. Et je peux faire commerce de la peau, mais ça me coûte 40 pour créer une. Ah, il n'y en a qu'un. De l'argile. Et le cuir. Il faut que j'établisse une route commerciale. Le charbon se vend et les pièces en fer aussi. Ouais, il est pas terrible, 65. Ah oui, mais attends, du coup, est-ce que je peux... sans un s'il y a de la monde. Oui, attends. Alors, du coup, ça. Et là, je peux pas le faire. Parce que t'as des cocottes, mais.
C'est que tu vas le faire où ton étal sur le marché? Du coup c'est pareil pour toi là, on peut te faire un étal à la bouffe. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Alors mes stocks. Mes stocks. 8 planches. Ouais, mais j'ai la demandé là. Attends-toi. 13 rondins, 8 planches. Ah, c'est les outils qui va me manquer. Bon, on va. On va avancer pour que ça se construise, cette histoire. Eh ben, les bosser, les feignants. Ah, ben voilà. Une nouvelle famille. C'est bien, ça. Oh, mais ces bandits, ils me cassent les noix, là. Je vais aller leur péter la gueule, à force. Putain, mais c'est long à construire cette histoire, hein. Là, ici, il n'y a toujours personne. Ici, si je fais péter deux planches, voilà, on va faire péter deux planches comme ça, ça va faire des chèvres pour de la peau en plus. Voilà. Du coup, toi, j'ai 20 peaux. Oulala, oulala, doucement, arrête du coco là, la vitesse là. Voilà. Hop. Magnifique. Voilà, donc maintenant ils ont. Ils sont contents, le niveau de foi. Ils sont contents. Alors ici, j'ai toujours 20, toi, et toi tu fais de la chèvre, toi, il faut de la farine pour faire du pain. Pélo ici, qu'est-ce que je peux faire? Prix d'exportation, prix d'importation. Alors si je le fais importer, c'est à moi que ça coûte 11. C'est un peu la baise. On va voir. Ouais, je sais pas. Cinq mois ici, ça se passe comment? 10 sur 20. Toi, t'es comment? Rien n'est stocké ici. Grenier, il y a de la
la bouffe et du poisson. J'ai l'impression que le poisson c'était meilleur que... Comment mes poissons là ? 84. Ouais, moi il faudrait que j'aille péter la gueule à... C'est vilain bandit là. Mais ils sont beaucoup quand même. Allez, allez, on va se taper sur la gueule, c'est con. Voyons voir. Oula, dis donc, j'ai plus les... Oui, ben non, je peux pas leur taper avec sur la gueule maintenant. Ça attendra du coup. Cela attendra. 39 de bois. Et ici, 31 bûches. Ok, alors. 11 planches. Je suis d'avis de retirer un membre ici et d'en mettre un ici. Bien déblayer la zone là. Je vais pouvoir planter du blé ici, dis donc. Un petit champ de blé là. Commerce. Matériaux, pot 4 pour l'exporter. Ça coûte 40 pour faire l'argile, j'en ai pas. C'est quoi toi? Ouais, mais attends. Nourriture. Des saucisses. Marchandises, outils, il va falloir que j'en fasse. Militaire, non. Culture, j'en ai pas. Des bûches. On va vendre des bûches, écoute. On va mettre... Tiens, on va peut-être faire des bûches. Ici. Pour vendre du fer après plus tard. Pourquoi pas. Bon, j'ai encore normalement ces deux maisons qui sont vides. Toi, il y a quelqu'un dedans. Ces deux-là sont vides. J'ai deux maisons d'avance. Qui c'est qui m'appelle?
Eh, ça fait 1h30 quand même que je suis en train de gérer mon petit village là. Mon petit village. J'ai fait quoi comme route moi déjà? Ah oui, des bûches. Yep, il est où lui? Ah oui, il arrive de. De Tatooine là, le marchand. Bon. Et on va le laisser arriver. Putain, l'hiver arrive, il faut pas avoir de vêtements chauds. Maladie, il se peut que les malades cessent de travailler, un accès aux herbes. Hein? Qui c'est qui est malade? Permet de planter des arbres à proximité, ok. Hutte des cueilleurs, des baies, arbustes. Oui, mais c'est quoi qu'il te faut du coup? La forge. Bah, faut que la forge fasse ça pour le minerai de fer, puis ça pour les outils. Faire des tuiles, enfin je fasse l'argile. Oh là 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 là. Le manoir. Ouais. Et c'est bien, le monsieur il est malade, mais comment je le soigne moi? Maladie. Ah, t'es parti prier pour te soigner? C'est un concept que je stream longtemps. Ouais, mais je fais des streams. Des fois c'est long, des fois c'est pas long. Ça dépend. Ça dépend si j'ai envie de faire une heure de montage vidéo pour YouTube après derrière. Ou pas. Là en soi, je vais. Je vais pas trop galérer sur le montage. Hein. Intro au final, un petit raccord entre les deux. Fioup, ça part, allez. C'est tout. Construction terminée pour la tannerie. Mais la tannerie, il faudrait que j'y mette quelqu'un à la tannerie. J'ai rien à construire pour le moment. Cinq mois de bouffe, 3 mois de combustible. Mm-hmm. 37. Le pélo là, il est où? Il est pas arrivé le bougre là. Faire ça. Sûrement faire tout ça alors qu'ils viennent là alors que j'ai un accès ici. Ah bon. Oh, de toute façon Taz, je vais pas tarder à arrêter Manor Lord là parce qu'il faut que je prépare l'événement de ce soir sur Naval Action. Comme je suis le numéro 2 du clan, je gère pas mal de petits détails. Donc au moins ici 273, toi t'en as 10, ok. Sauvage. C'est ce que j'ai mis la tannerie, mais est-ce que j'ai des pots? Oui j'ai des pots, Fais-moi du cure minerai de fer. Matériaux d'artisanat. Lingot de fer. Ouais. D'accord. Cuir. Cuir, c'est 120. Ah, mais des pareils, béton, ouais.
Voyons voir. Est-ce qu'on n'aurait pas. Ben non, on n'aurait pas. Les brebis galeuses, les frères de guerre, les vautours déplumés. Oh là là. Le vautour déplumé, toi. Bonjour, je suis un combattant des vautours du déplumé. Comment te dire que ça me fait pas trop peur, quoi. Voilà, je pense que pour 1h40 de live, on n'est pas trop mal placé là. Pas trop mal démerdé, je trouve. La tonte des moutons est interdite, service blessant. Ok. Il faut que je fasse de la bûche à. De la bûche à gaver là. Je pense qu'on va s'enregistrer la partie. Ouais. Ouais. Ah, tu prends pas les majuscules en compte ou quoi? Ah si. Live. Voilà. Bon, 1h40, je vais couper. Et le bisou à ceux qui me regardent, ceux qui m'ont regardé, à tout à l'heure, ceux qui regarderont sur YouTube. Mon petit Azuné, si tu veux, on se rejoint sur. Ah, l'étal de vêtements, mais ça c'est merveilleux, ça me plaît, ça dis donc. Ça me plaît. Des vêtements, ils vont arrêter de gueuler les pélos là. Ça c'est très bien, ça c'est bien, ça c'est des bons. Ouais, t'as, si tu veux, on peut se retrouver sur mon Discord. Je vais re-sauvegarder du coup ce qui s'est passé. Les amis Twitch, je vous dis à bientôt. Peut-être ce soir pour du Naval Action, qui sait. Allez, je vous fais les bisous, les bisous, les bisous.